Nang's Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Scoreboard. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un j'aime pour nous soutenir car c'est la première vidéo du jour. Ne tombez jamais amoureux d'une femme sorcière. Ha 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 ha. S'il y a bien une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est de tomber amoureux d'une femme qui a l'esprit de la sorcellerie. Pourquoi? Pourquoi là? C'est ce que je vais vous dire ici. Regardez l'histoire de Samson. Samson et Delila. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? On nous dit que Samson, il avait une force phénoménale qui dérangeait ses ennemis au point où ses ennemis le cherchaient. Oui, il cherchait à le tuer, mais ne savait pas comment faire. Pour cela, ils ont attendu le moment favorable pour qu'ils puissent exploiter sérieusement ce moment-là. Et quel était ce moment? C'est le moment où Samson est tombé amoureux d'une femme. D'une femme du nom de Delila. Delila. Et Delila, c'était une femme jolie. Une femme très belle. Si c'est un autre talent, on va dire que elle a une forme extraordinaire. On va dire quoi encore? On va dire que elle est sexy. Mais le problème, c'est que après, les ennemis de Samson vont aller la voir, histoire de passer par elle pour découvrir son secret. Ha! Ils sont venus voir la femme, lui ont dit, écoute, nous tous ici là, on va te donner chacun 1 million, 1 million. Si tu arrives à découvrir quelle est l'origine de la force de Samson. Elle dit, ah, oh, hi, hey. Automatiquement, elle a décidé d'entreprendre les démarches afin de pouvoir découvrir l'origine de la force de cet homme choisi par Dieu, choisi par le Dieu très haut. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? L'histoire nous dit que après elle ne faisait que lui poser des questions sur comment il a eu sa force et comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir faire disparaître cette force-là. C'est-à-dire, elle, là, de toutes les questions qui existent, ce sont ces genres de questions-là qu'elle pose aux gens. Dès que vous voyez ça, non? Que ça ne vous tombe pas. Que ça soit comme un signe qui vous montre que vous êtes en face d'une sorcière. Are you understand? Est-ce que vous comprenez? Et ce qu'elle a été de faire là, elle a été de faire pourquoi? Elle a été de le faire tout simplement parce que elle veut le détruire. Ha, du coup, ne tombez jamais amoureux d'une femme sorcière parce que cette femme sorcière cherchera à vous détruire. Vous détruire. Une femme sorcière, ça ne tombe pas amoureux. Une femme qui a la sorcellerie n'a rien à foutre de l'amour. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment faire pour que son maître Satan soit toujours content d'elle et qu'elle puisse évoluer sérieusement dans le monde des sorciers. Maintenant, vous la voyez ici, dans notre monde. Elle est belle comme ça.
Mais rien ne montre qu'elle est dangereuse. Rien ne montre qu'elle est une menace terrible. Et vous ne le savez pas. Et vous ignorez tout. Eh bien, je vous dis, mes frères et sœurs, elles existent. Et on peut les reconnaître par des signes. Oui, par des signes. Par exemple, je sortais tout à l'heure là. Mais avant de sortir, j'ai eu une conversation sérieuse avec l'Éternel des armées hier dans une prière. Dans cette prière, on a parlé de tout et de tout, et en particulier des femmes d'aujourd'hui. Comment elles sont attirantes, comment elles sont belles. Mais pour la plupart, transportent un mauvais cœur, un mauvais esprit et de mauvais comportements. C'est là que Dieu m'a donné des instructions par rapport à ces genres de femmes-là. Je ne dois pas les regarder. Je ne dois même pas contempler les fesses ou bien les seins ou bien ce qui m'attire chez elles. Je dois me priver de toutes ces choses. Si je ne veux pas me laisser avoir et que j'ai encore beaucoup plus de succès dans mes entreprises. Du coup, lui et moi, on a parlé ainsi et après, on s'est laissé. On a fini de parler comme ça. Hein. On a bien causé. Hein. Tout est bon, hein. Tout était clair. Hein. Moi, j'étais chaud. J'ai dit, ouais, Dieu, t'as raison. T'as tout à fait raison parce que ces filles-là, même là. Elle faut qu'on bouille le monde même. Il faut qu'on bouille à m'aider la planète. Ça tombe bien. Donc, je vais me concentrer sur mes projets, sur mes affaires, sur mon business. Et donc, c'est bon, ça va, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que après, j'ai oublié. En fait, j'ai oublié. J'ai dormi, je me suis endormi. Et je suis levé le matin. Et j'avais oublié même tout ça. Ou bien non? J'avais carrément oublié. J'ai oublié que hier, Dieu et moi, on a causé, on s'est dit des trucs. J'ai oublié. Maintenant, je suis sorti. Mais avant de sortir, j'ai vu une femme avec des fesses bien positionner sa lumière à gauche et à droite. Je dis, attends, qu'est-ce que ça signifie? Ou bien, qu'est-ce que les sorciers veulent faire dehors encore? Parce que moi, quand je dois sortir, les sorciers sont au courant. Ils se positionnent devant. Et ils commencent à faire leur complot de sorcellerie. Mais Dieu est fort. Mais Dieu est fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je suis sorti. Arrivé, pas même très loin de l'endroit où je me trouvais, j'ai vu une autre femme encore. Une jeune femme. Elle aussi, elle remet ses fesses. Il dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à là, j'avais même oublié même. À un moment, je pensais même à autre chose même. C'est comme vous avez des idées ailleurs et puis vous voyez des choses sur le chemin. Je pensais à la chose. Et puis, je marchais. Je marchais tout doucement. Tout doucement, jusqu'à aller acheter la nourriture. Mais avant d'acheter la nourriture, avant d'aller jusqu'à là, j'avais vu une autre fille. La fille-là, elle était claire. Elle était claire. Elle avait un teint propre. Elle est passée devant moi. Déjà, elle a failli me barrer la route. J'ai dit, attends, il y a route. La route est large. Là, tu viens chez quoi chez moi ici? Mais il a laissé pour moi Dieu. Il a laissé pour moi Dieu. Il a pu parler. Il dit, bon, allons-y, c'est moi. Je ne suis pas pressé dans la vie. Où. Je prends mon temps, mais j'arrive toujours sûrement. Allons-y seulement. Et puis, elle est passée devant moi. Elle est passée devant moi ici derrière. C'est comme si c'est la lumière qui est devant moi. Regarde comme elle est claire. Je l'ai maté, je dis, mais attends, la fille, c'est elle qui m'éclaire comme ça, bâtait bonheur là. Elle est claire. C'est quoi ça? Pourquoi es-tu si claire? Mais je la regarde, je la baisse ma tête, je la regarde encore. Je la regarde, je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fout là?
Bon, moi, j'étais vraiment pressé. Puisque les passeurs sont pas fait défiler de moi sur la route là, je l'ai dépassé, je suis continué mon chemin. Resté derrière. Moi, j'ai continué mon chemin. Et arrivé maintenant à là où j'allais là, j'étais là tranquillement, j'ai acheté ce que j'avais acheté. J'ai vu la présence d'une autre fille, encore très belle. Mais bon, ça ne me disait toujours rien. Quand j'ai fini de faire mes achats et que j'ai décidé de retourner maintenant à la maison, sur le chemin du retour, qu'est-ce que je vois? Je vois une fille jolie dans un pantalon en train de remuer ses fesses comme c'est pas possible. À ce moment-là, net, ça a été un déclic dans mon esprit. Et attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ces gens de choses arrivent ce matin-là. Il y avait quelque chose de prière hier. Et puis ce matin, ils voient les sorcières sur mon chemin comme ça là. Parce que ce sont les sorcières qui sont là comme ça. Hein. Ce sont les sorcières. Moi, je peux les voir. Peut-être vous ne pouvez pas les voir d'abord. Mais moi, je sais, je le connais bien. On se connaît. Donc, je regarde. Je dis, attends, mais attends. Et ça, ce sont pas les sorcières là. Ah, mais ça, tout de suite, je dis, ah, c'est à cause de ce que Dieu m'a dit hier. La décision qu'on a prise hier là. C'est à cause de cette décision de ne plus regarder les femmes et autres là que ces sorcières-là sont venues nous défier. Et oui, elles sont venues nous défier. Ouais. Après la prière, après la décision que vous avez prise avec Dieu, après la décision que vous avez prise avec Dieu, voici ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est que l'ennemi, le diable, viens vous défier le matin. Dès que vous regardez ça, que vous remarquez ça, faites attention. Et regardez bien le visage des gens qui font ça. Ce sont des sorciers. Et ils seront sorciers à jamais. C'est-à-dire vos ennemis. Et vos ennemis à jamais. Faut plus jamais avoir confiance à ces gens-là. Vous allez le voir. Dès que j'ai vu ça, vraiment. La fille là, elle était belle. Ouais. Mais ce qu'elle dit, elle dit. J'ai déjà pris ma décision avec Dieu. Je sais qu'il y a de bonnes choses qui arrivent encore devant moi. Si c'est le sacrifice à faire pour que je puisse avoir ce que je veux là, moi je suis prêt à le faire. Même si c'est pour ne plus satisfaire les désirs de mes yeux. Si c'est pour satisfaire les désirs de mes yeux. Si je peux affirmer l'œil sur ça, ne plus regarder ces choses. Remplir le contrat que je vais signer avec Dieu. Et puis, avoir ce que je recherche. La vie, c'est un sacrifice. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Ces sorcières-là sont venues me défier. Et ça, c'est pas un signe. Ça, c'est un signe palpable. C'est un signe réel que vous pouvez carrément voir juste là, devant vous, c'est-à-dire sur vos yeux. Après, elle est passée. C'est maintenant une femme mature qui est venue prendre sa place, c'est-à-dire qui est venue sur le chemin. Tout ça là, sur mon chemin. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, je vous ai dit que méfiez-vous quand vous voyez des femmes apparaître soudainement devant vous. Oui. Méfiez-vous. Et quand j'ai vu cette femme, je me disais, voici des femmes qui sont là dans le pays. Les gens qui ne savent pas qu'elles sont des sorcières vont aller vers elle pour dire, oh ma chérie, t'es jolie parce qu'ils ont vu leur forme ou leur apparence. Mais ce qui est caché derrière leur corps, c'est un démon qui sommeille, même qui agit en permanence pour détruire les hommes. Je parlais ainsi. Elle se trouvait devant moi. On va dire à 10 mètres comme ça de moi. Et je regardais ça.
Quand elle a vu que tu étais derrière, elle a commencé à remuer son postérieur dans tous les sens. Mais ça ne me disait même rien. Même aujourd'hui, ça me disait rien. Ça me disait rien même. Je pensais même pas à la même chose, je pensais à autre chose. Moi, je cherche à régler un souci que j'ai venu de trouver une solution, grâce à Dieu, Dieu merci. Et voici les filles qui viennent amener le monde. Je suis resté concentré. Très concentré. Et que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à son niveau, c'est-à-dire en marche, non? Nous deux, on marche comme ça. Bah, oh, bah. Elle est ici. Mais moi, ici, je suis derrière comme ça. Ouais, non. Et puis, bon, je suis arrivé à son niveau. Bah. Arrivé à son niveau, tout de suite, mes idées sont quittées sur elle. Subitement, et j'ai commencé à penser à autre chose. Dès que je l'ai dépassé, elle m'a attaqué avec le pouvoir de la sorcellerie. Boum! Je dis, voici ton vrai visage. Voici ton vrai visage. Tes fesses ont failli me cacher. Tes fesses ont failli cacher ton vrai visage. Mais aujourd'hui, là, voici ton vrai visage. Mes yeux sont quittés sur tes fesses. Et automatiquement, ton vrai visage est sorti. Tes fesses que tu utilises pour me séduire, là, ça n'a plus d'effet. Tu as échoué. Donc, tu me montres maintenant qui tu es. Et c'est exactement ça. Quand vous remarquez que quand vous remarquez une fille qui vient vers vous pour vous dire des choses, genre elle vous aime, et puis vous dites que non, vous n'êtes pas intéressé, et puis elle vous insulte là, c'est que c'est une sorcière. Ça, c'est un signe. Tout ça, c'est le signe et vous donne. Hein? C'est une sorcière. Là, tu dis, la fille arrive à toi et tu dis, ah, mon ami, tu es jolie, tu es célibataire, je vais se mettre ensemble. Tu dis, non, c'est pas intéressé. Ou bien tu lui parles tranquillement, hein, sérieusement. Tu dis, oh, j'apprécie bien le fait que vous m'aimez bien, mais je suis désolé, je ne suis pas intéressé. Elle va dire. Non, viens vers toi, tu embrouilles le monde. Qui t'aimait même. Il fait semblant, c'est tout. Elle va commencer à te raconter des histoires pas possibles. Ça va te dire, mais ah, Kesha, elle est venue vers toi. Elle t'a parlé. Tu lui as répondu sagement. Et regarde comment elle se comporte. C'est parce qu'en réalité, c'est comme ça qu'elle est. Mais elle a caché. Aujourd'hui, vous avez cette information. Aujourd'hui, vous avez cette information. Ne tombez jamais amoureux d'une femme sorcière. Sinon, elle va vous détruire. Ces jeunes femmes-là, quand elles rentrent dans votre vie, elles cherchent à détruire vos finances, à votre source, votre argent. Elles cherchent à dépenser votre argent inutilement. Ces jeunes femmes, quand elles rentrent dans votre vie, elles vont vous contrôler spirituellement et vous empêcher de réaliser un projet ou des projets que vous voulez. Elles peuvent même aller ouvrir la porte de votre maison et laisser entrer vos ennemis dans la maison. Vous vous êtes dit, mais ah, qu'est-ce qui s'est passé? Elles peuvent même aller envoyer vos ennemis jusqu'à sur votre lit, le lit où vous dormez, le lit où vous reposez là. Elles vont envoyer vos ennemis là-bas. C'est une femme qui laisse entrer le serpent. C'est une femme qui laisse entrer le diable dans la maison. C'est un peu comme le cas de Ève. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, non? Ève a laissé entrer le serpent dans la vie de Adam, dans la maison de Adam. Elle a dit non, écoute. Si on mange le fruit, vraiment j'ai mangé, c'est extraordinaire. Elle a commencé à lui parler avec une voix douce. Comme lui aussi, il aimait la femme, il n'a même pas réfléchi. Il a écouté ce qu'elle a dit. Moi, je vais vous dire un truc. Les gars, les hommes, ne prenez jamais de décision à partir de ce qu'une femme vous a donné comme conseil. Jamais. Jamais. Prenez toujours des décisions finales à partir de ce que Dieu lui-même vous a dit et de vos calculs. Maintenant,
Si la femme est venue dire quelque chose qui rentre sur le chemin de ce que Dieu vous a dit, ce qu'elle est de la révélation, allons-y. Mais ne faites jamais confiance à une femme. Je vous assure. Ne faites jamais confiance à une femme. Point. Il n'y aura pas dans 4-4. Il y a des secrets que vous ne devez pas dire à votre femme. Point. Je ne rentre pas dans 36 solutions. Je ne suis pas dans 36 solutions. Moi-même, je vais lui dire, je vais dire, hé, hey, ma chérie, tu es venue ici, non? Moi, il y a des choses que je ne vais pas te dire. Tu penses à quoi? Si tu as des choses que tu ne vas pas me dire, ça n'engage que toi. Mais moi, je suis désolé. C'est quoi? C'est parce qu'il ne faut jamais faire confiance à l'homme. Et en particulier en la femme. L'histoire a démontré par A plus B qu'il ne faut pas avoir confiance en elle. Elle-même met son courant. En tout cas, que Dieu vous éloigne de toutes les femmes sorcières qui sont nombreuses dehors, parce que elles sont nombreuses. Ça fait plus d'un an que je sors, je fais va-et-vient, je vois des choses, je rencontre des filles, des femmes, mais je n'ai pas encore vu une femme qui a le Saint-Esprit. Donc, si 10 000 femmes que j'ai vues cette année, zéro femme, il n'y a pas de femme qui a le Saint-Esprit. Vraiment, le monde en danger. Vraiment. Le monde est dans les problèmes. C'est-à-dire que le diable a tellement travaillé que il n'y a plus de bonnes femmes dehors. Elles toutes, elles sont des sorcières. Quand vous allez les rencontrer, mon sourire, elles vous montrent leur temps. Elles vous montrent comment elles sont en forme. Regardez les femmes sorcières là. La plupart du temps, quand elles veulent séduire un homme, elles montrent leur corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous êtes donné de vous quelque part là, qu'est-ce qu'elle va faire? Dès qu'elle vous serez en train de venir, elle va savoir que vous arrivez il y a juste 200 mètres entre vous. Elle le saura, hein? Sans même vous avoir vu physiquement comme ça. Elle va vous voir, ça, c'est les yeux qui sont derrière ici. Ou les yeux de la sorcellerie. Et dès qu'elle va vous voir comme ça, elle va commencer à se lever. Elle va commencer à marcher. Bouger ses fesses, si elle en a, bien sûr. Mais si elle n'en a pas, elle va pas se fatiguer. Commencez à bouger, connaître pas comment, pour essayer de vous présenter son corps. Et que vous soyez vraiment séduit par son corps. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur, ça ne peut pas vous séduire. Ça ne peut pas se séduire quelqu'un. Donc, à moins son cette forme, son, tout ça. Vraiment, vous êtes grave en danger. Dans cette situation, je préfère vous dire, mes frères et sœurs, restez célibataires, concentrez-vous sur vos affaires. Celle qui est prête pour vous, là, qu'elle investit sur vous pour vous montrer qu'elle est vraiment prête pour vous. Parce que les sorcières, la plupart du temps, elles ne sont pas prêtes à miser sur l'homme. Elles sont là pour sucer les gens. Donc, c'est pas là, là même, là. Vous allez voir la différence entre ces filles-là. Si vous allez voir la différence, c'est-à-dire que quand vous serez prêt à choisir une femme, mettez la barrière très haute. C'est-à-dire choisissez des critères qu'on ne peut pas défier facilement. Par exemple, quelqu'un qui va dire que il aimerait que la fille qui va choisir la soit vierge. Au pire des cas, si elle n'est pas vierge, il faudrait qu'elle n'ait pas eu un gars pendant 3 mois. Tu seras surpris par le résultat que tu vas avoir. Mais fais vraiment très attention à ne pas te laisser avoir par les menteuses. Parce que les sorcières, elles sont des menteuses. Je dis, elles mentent comme c'est pas possible. Elles mentent. N'aie jamais confiance en elles. N'aie jamais confiance en elles. J'ai rencontré une de ces sorcières-là. Elle a commencé à mentir. Elle dit que elle est comme ça. Oh, elle est comme ceci, et que si un homme la prend et la met chez lui à la maison, il ne va pas regretter. Moi, si je ne savais pas,
Il me disait, oh, voici une femme. Oh. Voici une bonne femme. Oh. Je la prends, je l'envoie chez moi à la maison, juste pour voir juste la maison. Hein. Elle rentre dans la maison. Tout ce qui se trouvait sur ma table, elle dit, les affaires, elle est positionnée sur la table, tout la mettait bien rangée. Elle est venue, elle a tout mélangé. Je dis, n'est-ce pas celle-là qui disait qu'elle était cool, elle était une bonne femme à prendre de la maison? Même si tu as les choses bien rangées, tu mélanges tout, tu ne ranges pas. Tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu mélanges tout. Alors que lui, il est un homme, il arrange tout. Voici la réalité. Ne vous fiez plus jamais à ce qu'elles disent. Mais les œuvres seront là. C'est tout prier que Dieu vous montre l'état de leur cœur. Parce que ça ne trompe jamais. Quel est l'état d'âme de la fille? Cherchez ça d'abord. Est-ce que c'est une sorcière? Est-ce qu'elle a le Saint-Esprit? En tout cas, ce serait vraiment difficile pour vous de trouver une bonne femme de nos jours. Très, 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 très difficile. Et la chose la plus grave encore qui puisse arriver dans cette affaire, c'est quand vous avez un enfant avec elle. Quand vous avez un enfant avec elle, ce qui se passe, c'est qu'il y a de fortes, fortes possibilités qu'elle transmette la sorcellerie, en fait, l'esprit de la sorcellerie, à l'enfant. Et l'enfant va commencer à vous faire souffrir. Vous faire souffrir. Vous envoyez l'enfant à l'école, il fait des bêtises là-bas. Vous lui dites de faire ceci, il fait cela. Il fait tout ce qui est mauvais. C'est lui tout en train de frapper les enfants des voisins. Il frappe les enfants des voisins. Les voisins sont chez vous. Ah, vous l'avez quoi? Pourquoi ton enfant ne frappe nos enfants ici? Il va vous apporter tous les problèmes de la vie. Vous êtes, mais attends. Toi, je t'envoie dans ce monde-là, puis tu ne fais que faire la bêtise seulement. Il va dire, papa, pardon. Mais demain, là, il va faire pire que ça. Non, ce n'est pas la peine. Limite, vous allez penser que c'est un démon qui est là. Ou bien c'est un petit diable. Parce que vous avez fait le mauvais choix de rencontrer une femme sorcière. Vous avez vu ça? Ne tombez jamais amoureux d'une femme sorcière. Elle va vous détruire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ici, écrivez en commentaire, merci pour tes conseils. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti. Waouh, merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouvent nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Bonne 3. Avec la Nuance Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.